On met avec les deux petites cuillères. Ou alors l'autre. Ou alors celui-là. Là, c'était la mienne, celle-là. Là on passe à côté des récifs là. On est juste à côté. Ils sont là. Là il y a des récifs à 60 cm sous l'eau, on dirait pas. Hein. Là, il n'y a rien. On voit rien. Et là, à peu près 300 mètres. Même pas. 300 mètres là. 200 mètres. Il y a des rochers sous la flotte. Alors ça me donne une idée. Vu que je suis en train de pêcher, vous voyez, là les rochers ils sont là. Et moi je suis en train de passer là. Là, on va passer, il y aura 3,30 m sous le bateau, plus la marée de 2 mètres. Bon, 2 mètres actuellement, hein, ça change sans arrêt. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir le bateau, parce qu'on avance à 5,4 nœuds. C'est peut-être un peu rapide. Donc, je vais essayer d'avancer à 3 nœuds. J'ai enroulé la voile à l'avant, ralentis pas. J'avance trop vite. Je suis en train de me demander si je vais pas rentrer le phoque complètement. Parce que là, on est bien au niveau timing. Regarde là, on accélère. Ça y est, on accélère trop. On va jamais rien pêcher. Alors attends, on va faire ça.
Là, on devrait ralentir, là. Donc là, j'ai rentré, j'ai plus que la grand voile. On avance toujours à 4 nœuds. Si, ça baisse. 3,9. Ah, c'est bon. 3,8. Un poisson. Je t'aise. Il est où? 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 Il est qu'est-ce qu'il y a? Il est où le poisson? Il est où le poisson? Ah, il est là-bas. Il y a des doutes, hein. Non mais quand même, il tire le poisson. Le fond, hein. En tout cas, il n'y a rien. Ou alors. Oh, ben. Ça a cassé. Ça a cassé? Ouais. On a plus rien? On a plus rien. Donc, grosse alerte. Enfin, vraie alerte. En tout cas, j'ai toute la ligne qui a cassé. Je pense que bon, le fil de la ligne est assez vieux. Hein. Donc, bon, je pense qu'il y a vraiment eu, il y avait 6 mètres de fond, donc ça m'étonnerait que ce soit le fond. Donc, je pense qu'on a vraiment pris un poisson. Dès qu'on a ralenti, ça a mordu. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on allait trop vite. Donc là, je me suis mis à 3 nœuds. Au pré, on n'est pas pressé parce que on est large au niveau timing. J'ai enroulé le génois, donc là on est que sous la grand voile. Voilà, on avance tout doucement, enfin 3 nœuds, c'est pas mal. Hein. On essaye 30 minutes comme ça, c'est que si ça mord pas, c'est que c'est pas le bon endroit, pas la bonne vitesse, pas les bons leurres. Voilà. Donc je peux essayer de faire un peu plus de près.